La dame de ta fille à côté, là, qui est venue avec qui? Elle est à côté là. Elle est venue avec qui? C'est notre maman. Elle a le pouvoir de la sorcellerie. Faut qu'on la guérisse. D'accord. Elle est très dangereuse, la sorcellerie. Tout à l'heure, elle se cachait, je la voyais, elle se cachait, c'est du doublé. Moi, je l'ai regardé, je vais m'amuser. Elle s'est levée. Voilà, donc elle avait allé prendre maintenant son pouvoir qu'elle a laissé. Elle a laissé pour venir. C'est ça que je suis en train de parler. Voilà, donc, c'est comme ça. Les sorciers descendent, c'est une sorcière, elle est baillée. Elle est sorcière. Bon, j'ai déjà fait la sorcière qui est pas bonne. C'est mon travail, je fais. Elle allait chercher le courant, ça ne fait pas courant à droite. Elle va faire ce qui est soudain. Ce courant est reporté. Elle est reporté quoi? Oui, un courant. Elle dit quoi? Elle dit qu'elle a mis au soleil, elle allait chercher la vérité. Mais qu'est-ce que ça a à voir? On entend de faire prier. Tu es en train de prier. On entend de prier. C'est collant qui est écrit. Faut arrêter de nous distraire la vieille. Vous lui direz, pas arrêter de nous distraire. C'est ce qu'on appelle la pure distraction. On est à Dilatine. Voilà. Vous êtes venu pour la prière. Vous êtes venu pour la prière. On entend de prier. Donc, le collant, ça ne doit même pas vous intéresser. Parce qu'avant de vous prendre, j'ai demandé aux gens d'organiser, ça veut dire que vous êtes bien prêts et qu'on vous prenne. Donc personne ne va coller à votre côté, quoi. C'est ça qui va te sauver. Arrêtez de nous distraire. Arrêtez. Dans ta sorcellerie, il faut chercher à te faire délivrer. Je fais exprès pour demander aux gens de se faire délivrer. Et comme elle savait que j'étais en train de révéler des choses cachées sur la vie de ses pas, elle a commencé à comprendre que je vais l'attaquer. Parce qu'elle a commencé à me flasher. Ici, là, on n'est pas venu pour condamner quelqu'un. On sauve les gens. Mais ici, c'est ça qu'on sauve les gens, c'est ça que j'ai eu à faire à elle. Mais j'aurai à faire avec elle tout à l'heure. La sorcellerie, c'est quelque chose qu'on peut recevoir. On peut avoir quelqu'un qui peut nous donner la sorcellerie. Et si quelqu'un nous donne la sorcellerie, on doit avoir le courage d'avouer et puis abandonner. Les plus grands menteurs sont les sorcellers. Voici cette femme-là qui aime bien accuser les gens. Elle accusait, non, elle allait, c'est chez nous là qui est bon. Bon, chez nous là c'est bon, pourquoi tu ne parles pas la vérité? Moi je crois au nom des hommes de Dieu. Moi je ne blâme pas, je ne suis pas l'homme de Dieu le plus puissant. Ça n'existe pas. C'est Jésus qui est puissant. Donc tu peux venir me venir devant moi délivrer un homme de Dieu qui n'a pas plus que délivrer. Mais moi là je te coûte la même, tu me mens. Et il dit que c'est parce que ici, tu vas parler. Or, ici, on a le détecteur de savoir ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. On a le cul. Donc, la vie est là. Il faut rentrer arrêter sa distraction. Quand elle vient, tu vas aller chercher pour l'homme au soleil. Sur la côte. Il faut arrêter ta distraction. Tu fais ce que tu souviens. Tu es torché, c'est ça? Quand tu venais ici, là, tu étais sorcier déjà, non? Est-ce qu'on se connaissait? Vous parlez bien comme ça, on va les gens disent ça, le prophète il fait des montages, les gens rencontrent des bêtises. Les gens souvent rencontrent des bêtises, comme ils n'aiment pas ma tête, les gens les arrêtent. Ah, le prophète fait des montages, il n'y a pas de montages ici, elle et moi ne se connaissons pas. Mais le jour où je l'ai vue, elle était assise là. Quand elle s'est déplacée, je vous ai dit qu'elle est la sorcellerie.
Voilà, à distance. Je vous ai déjà dit qu'elle a la sorcellerie, c'est mon nom. Je vous ai dit qu'elle a la sorcellerie. Voilà, non? Voici un peu ce qui se passe ici. Bon, frère, bonsoir. Bonsoir, et vous, c'est qui? Moi, je suis la fille de maman. Enchanté, le nom c'est? Bessitec. Enchanté. Ravi, papa. Pour faire grâce, ouais. Une fois, j'ai été avec l'une de mes collègues et puis elle m'a montré une image sur YouTube. Et puis, après plusieurs semaines de prière pour savoir si Dieu pouvait écouter mes prières en cherchant un docteur spirituel. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a montré des images. Ça m'intéressait. Donc, j'ai commencé à regarder tous les aveux qui se faisaient sur YouTube. Donc, ça a commencé à m'inspirer. C'est ça, ma petite soeur m'a appelée pour me dire ah, elle est vraiment gravement malade. J'étais paniquée carrément. J'ai dit, ah, si c'est un truc de sorcellerie, sur YouTube, on m'a dit que le prophète Krasso peut nous aider à délivrer celui qui est victime de la sorcellerie. C'est ce qu'il peut faire aussi pour ma petite soeur. Il faut que je puisse en parler à ma grande soeur. C'est comme ça que je suis venue à ma grande soeur et je lui ai parlé pour dire, ah, le prophète, j'ai vu beaucoup de ses œuvres. J'ai vu qu'il fait la volonté de Dieu pour sauver quelqu'un. Donc c'est pourquoi il faut qu'on vienne à Divo. Qui dit, il se trouve à Divo. Et moi-même, je ne le connais pas, mais c'est sur YouTube que j'ai vu. Donc c'est comme ça que j'ai contacté ma grande soeur et qu'elle a... Elle a tout fait pour que les deux viennent, tout le monde vienne, pour que, voilà. Effectivement, ma petite soeur m'a appelée, elle m'a dit ah, qu'il y a un homme de Dieu qui est à Divo, qu'il peut aider notre petite soeur qui est malade gravement, qui est victime de la sorcellerie. Donc, si tu pouvais nous aider à partir là-bas, vraiment, ça va être bien. Il dit, bon, dans ce cas, on va nous tous aller. Voilà, mais c'est le garçon qui n'est pas là. Et c'est comme ça que mon mari m'a remis de l'argent que nous puissions venir. C'est comme ça que nous sommes là. Là, le problème, c'est quoi? C'est que votre maman, elle ne venait pas à Divo pour faire des aveux, c'est pas ça? Non, elle venait pas pour ça. Voilà. Elle venait pour quoi? Elle venait pour la guérison de sa fille qui était malade. Voilà, parce qu'elle change le langage. C'est ça le problème. Ça dit, moi, je veux qu'on soit clair et véridique. Parce qu'elle est venue à Divo, ce n'était pas pour qu'elle fasse des aveux. Non. Très bien. Ok. Voilà, donc c'est à cause de la chancelerie que l'on chasse du village. Bon, vous voyez à vous, oui. Tu as fait quoi? Mon anonyme, vous voyez à vous, Zoé. Nanté, Béry, Bassa. Basso. Nazo. Nekama. Mon cagou ne voya vous goût à brer. Goût à brer, quand on a l'eau libérée, bah, bon, et on a l'eau libérée, bah, bon, on va y aller, bah, non, parce qu'il y a mata. Et on est bien, ma soeur, il est comme un bon. Elle dit, elle a tué parmi ceux qu'elle a tué, ce pourquoi on l'a chassé du village. Il y a trois garçons et deux filles. Ouais. Hein, maman? Avec une dame mariée. Donc les deux, on suit ça. Et Zoé qui a yégué, et pour voyager. Elle dit oui. Faut lui dire, elle a demandé son sourire à la fille. Faut lui dire ça. Dis-le, elle a pas pris ça la dernière fois, mais elle a donné la sorcellerie à Marina. Tu t'appelles Marina, c'est ça? Oui, mon frère. Ok. On va parler de ça. Bon, Marina Bouo Batesrilane. N'y a qu'à Marina Bouonien. N'y a qu'à Marina Bouonien. N'y a qu'à Marina Bouonien. J'ai donné la sorcellerie à Marina. Comment elle s'arrangeait? Ça, non. Marina, oui, prophète. Tu veux être délivré. Amen. Non, tu veux être délivré. Oui, prophète. Je veux être délivré.
pour nous dire la vérité. Oui, prophète. Voilà, parce qu'il y a une histoire entre toi et ta maman. Il faut que ça soit au grand jour. Et puis on va prier pour vous. Oui, prophète. Voilà. Il y a une histoire entre toi et ta maman. Il faut que ça soit au grand jour. Et on va prier. Oui. Prophète démon, est-ce que ce que maman a dit, qu'elle t'a donné la sorcellerie aussi, est-ce que c'est vrai? Oui, prophète. C'est vrai. D'accord. Ok. Et donc, vous deux, vous êtes bien sur une situation. Quel est le problème? Pourquoi la vieille t'a macheté? Pourquoi elle veut t'en détruire? Pourquoi? Vous allez faire quoi? Tu l'as fait quoi? Et puis elle veut te tuer en sorcellerie. Il y a eu quelle histoire entre vous deux? Moi et puis la vieille, en fait, je n'ai rien fait à la vieille. Je n'ai rien fait. Parce que moi, j'étais habillée ici. Maintenant que je suis partie, j'ai dit, allez la salle. Lorsque je suis partie, il y a eu décès au village. On est parti là-bas. Décès de qui? Il y a la femme de. Le grand-père de notre papa, il a perdu sa femme. C'est là-bas, nous sommes partis au funérail. C'est là-bas, quand on est quitté, on est venu. C'est là que j'ai commencé à. Les choses, comme on dit, comment ça a ressenti Marina, tu peux te citer? Oui, prophète. Mais dis-moi la vérité parce que tu entends mentir. Le problème entre toi et ta maman, c'est un problème de viande de sorcellerie. Et en réalité, ta maman t'a envoyé à tuer cette femme. Le cœur et la tête, tu l'as récupéré. Et ta maman voulait prendre ça. Et tu l'as récupéré. Et c'est cela que ta maman t'envie. Elle t'a macheté. Vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Alors? Il pratique la sorcellerie. Ça, on sait. C'est la suite qu'on veut attendre. Qu'est-ce qui s'est passé? En toi et puis maman. La mort de la dame, je vais t'expliquer ça. Maman m'a envoyé d'aller tuer la femme, la dame. Quelle femme? La dame du bon poisson. Est-ce que je connais son nom? Yvonne. Sa père Yvonne. Elle a tué du poisson du village. Et je suis partie. Elle vivait où, la dame? Elle vit à Guabafla. Et tu es parti, c'est ça? Oui. Et je suis parti. Et je suis arrivé là-bas. Elle était couchée. Donc, quand je suis rentré, et j'ai pris un bois pour l'ensommer, pour la taper. Et quand je l'ai pris quoi pour l'ensommer, elle ne bougeait pas. C'est là que j'ai coupé sa tête et j'ai pris son cœur. Et je suis partie à Vavoie chez ma maman. Arrivée là-bas, elle m'a dit de lui donner. Et j'ai refusé de lui donner. C'est ça qui l'a pas plu, ça l'a énervé, on a discuté et on s'est battu. On s'est battu, c'est là ma machette, elle avait un machette dans sa main, c'est là elle a pris pour me taper. Tu peux t'as tué? Oui. Maman, prophète Ney, le oué Marina salade de Saint-Aoné, mon père a deux souvenirs de pour son saoné. Les prières. Aïe, on s'en sort. Les prières, madame. Et on s'y dit au papel. Si au papel, il n'a plus que les oeufs, il n'a plus que les oeufs. Donc, il y a un peu de bois. On est là. Et là, pas caïca, là, pas rapide. On est là. Il y a un peu. Elle dit la dame qui vendait le poisson au village.
C'était leur vendeuse. Et elle est allée acheter du poisson à tout moment chez elle. Mais ce jour-là, il s'est trouvé qu'elle n'avait pas de l'argent. Elle allait demander le poisson à crédit pour qu'elle puisse, comment on appelle ça, préparer pour des étrangers. Et la dame a refusé. C'est pourquoi elle a envoyé Marina aller tuer la dame. Donc, ça a dit, c'était sa viande, c'est ça? Elle dit oui, c'était sa viande que Marina allait chercher. Depuis quand tu es devenue sorcière? Et ça, tu dois parler. Depuis quand tu es devenue sorcière? Parce que la vieille disait, ah non, ton mariage, ton truc, ça c'était des trucs. Non, ça je parlais de ça la dimanche passé. Mais il y a plein de choses que vous cachez. Maintenant, depuis quand tu es dans la sorcellerie? Parce que tu n'es plus une petite sorcière. Tu es une véritable sorcière. Depuis quand tu es dedans? Voilà. Il faut qu'on en parle parce que le temps, c'est beaucoup important pour moi, hein, maintenant. C'est lorsque mon papa arrivait et qu'il était couché un jour dans la chambre. D'accord. C'est là, il dormait, et dans le sommeil, j'ai vu ma maman. Elle me donnait un truc à boire. Donc ça, quand je buvais, ça secouait mon cou. C'était tellement trop, donc j'ai commencé à faire truc, moi j'ai commencé à vomir le reste aussi. Donc elle a fini de me donner et puis elle m'a dit de me lever. Maintenant je me suis levée. Quand je me suis levée, c'est là que j'ai vu sang un peu partout sur ma bouche. Partout sur moi. C'est l'autre, c'est depuis ce jour-là, ça a commencé. Mais tiens-vous bien devant moi. Ça vous va? Oui, professeur, ça va. Comment tu te sens maintenant, Marina? Je me sens mal. Mal comment? Moi, je me sens depuis les palus et puis j'ai envie de vomir. Je me sens vraiment. Je ne me sens pas bien. Tu ne te sens pas bien? Oui, parfait. Ok. On revient sur la situation qui s'est passée hier. Vous avez quelque chose à ajouter? Vous avez quelque chose à dire? Je vous écoute. Bon, prophète, je voulais dire que ce que tu avais dit la dernière fois, en fait, j'étais choqué ce jour-là. J'avais peur parce que le nom là, c'est un bon nom. Donc, quand tu as dit, j'étais paniquée. Non, il faut écouter, pardon. Je n'aime pas ta phrase que tu as dit là. Madame Cissé, tu peux venir? Madame Lamine. Elle n'a qu'à te dire ça, parce que je ne comprends pas son français. J'étais choqué, la phrase, je n'ai pas compris. On est choqué à l'aime, non? Elle dit ça l'a surpris. Elle ne savait pas que quand elle allait arriver ici, on allait dire qu'elle est sorcière. Je n'ai pas compris. Est-ce que ta maman, je savais que ta maman était sorcière, puisque son histoire, l'histoire de votre maman, tu donnes le micro. Donne-lui le micro. Ta maman, tu savais qu'elle était sorcière, toi? Non, elle-même, Marina. Non, prophète, je ne savais pas. Ils l'ont chassée du village pour les sorcelleries. Tu connais son histoire, non? Oui, je connais son histoire. Moi, je savais. Mais est-ce que moi, je savais ça? Non, prophète, je ne savais pas. Comment j'ai su ça? C'est lorsque nous sommes arrivés ici. Donc, il faut arrêter ta comédie. Je sais ce que tu veux dire. Il faut arrêter ta comédie. C'est pour dire, je sais que tu es. Donc, je ne rencontre pas des bêtises. Tu es chrétien? Oui, chrétienne catholique. D'accord. Est-ce que tu sais que ta maman, elle prend souvent ton visage pour aller faire la sorcellerie? Non, je ne sais pas. Ok. Mais elle le fait. Donne-le le micro. Vous le demandez. On est. Où? Marina, donne-le le micro. Prophète Né. Nous croyons à vous, il y a une troisième. Amène un copain, les beaux en noir. Elle dit oui, c'est la vérité. Hein?
Je te dis maintenant le don que j'ai. Si tu pouvais aller chez les gens, ils allaient te prendre comme une sorcière. Moi-même, mmh. Madame David. Oui, d'accord. Ils t'ont jamais dit ça? Si. Qui t'a dit ça, dit ça? Il y a mon oncle, le petit frère, mon père à son homme, il est décédé. Il m'avait dit ça. Que tu es sorcière? Oui. Très bien. Est-ce que j'étais là? Non. Très bien. Mais, on dit à Marina, elle n'a qu'à se prendre au sérieux. Je ne suis pas n'importe qui. Pourquoi je dis ça? Parce que hier, je voyais la même chose. Je n'ai pas dit ça hier. Parce que j'ai vu que ta maman te prenait ton visage pour aller faire la sorcellerie. Mais comme tu n'es pas sorcier, je n'ai même pas mentionné ça. Puisque c'était les deux. Le sujet était d'actualité, je n'ai pas parlé de ça. Mais comme Marina est rentrée dans un jeu bizarre, je suis en train de revenir là-dessus pour dire, même Madame Lamine là, sa maman prend son visa pour aller faire la sorcellerie. Mais comme elle n'est pas sorcière, je ne sais pas qu'elle est sorcière. Maintenant, je t'ai posé la question, tu m'as dit oui, ils t'ont une fois dit, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais est-ce que j'étais là? Non. Mais très bien. Tu vois, Marina, c'est pour ça qu'il ne faut pas te mettre dans ce jeu bizarre. Je n'étais pas là, mais elle dit qu'ils l'ont déjà dit une fois la traité de sorcière. Oui. N'est-ce pas? Oui, et il m'avait proposé d'aller me faire laver par une dame qui allait enlever la sorcellerie. J'ai refusé. Une combien? Très bien. Très bien. Et tu as dit que tu n'étais pas sorcière? Oui, je lui ai dit, c'est dit, je ne suis pas sorcière. Mais est-ce que j'étais là, toute cette scène-là? Non, vous n'étiez pas là. Hein? Non, vous n'étiez pas là. Très bien. Vous dites à Marina, si elle veut guérir, on a commencé une affaire, on a calé jusqu'au bout. Marina. Tu as compris, Madame Marie? Oui, j'ai compris, prophète. Le problème, c'est que ta maman, parce que j'ai regardé, toi tu parlais, j'ai vu une scène, tout ça, dans, comme mon détecteur, il dit non, elle n'est pas sorcière. Je suis convaincu que tu n'es pas sorcière. Donc, je ne vais même pas revenir là-dessus, tout ça. Je vais faire au sorcier de la famille. Donc, Marie n'est compris dedans. Elle n'a qu'à arrêter de dire, j'étais choqué, c'est pour ça que je t'ai parlé. Il faut arrêter tes histoires. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Comment tu vas? Tu dis non, tu as envie de vomir. Ça veut dire que tant que tu ne diras pas la vérité, tu mourras de ça, tu mourras. Le bétion a commencé, lui, tout à l'heure, il était délivré. N'est-ce pas? Oui. Parce que si j'en ai pris, j'ai vu le sérieux que le petit, en quelques, on n'a pas fait une heure du temps, le petit est délivré. Ta maman, ce n'est pas une petite sorcière. Et le sujet que vous avez là, ce n'est pas un petit sujet de sorcellerie. C'est ça qui a posé la question à Marina, comment tu, non, tu te sens comme mal. Mais tant que Dieu est juste, tant qu'il y a des choses que tu ne voudras pas laisser, ça va continuer. C'est pour ça que je suis revenu sur ton sujet en tant que madame Lamine, je suis revenu pour dire, toi-même là, ta maman prend ton visa pour aller faire son sujet, n'est-ce pas? Je t'ai dit ça. Oui. Pose la question à ta maman, elle a dit oui. Oui. Je t'ai même posé la question, est-ce qu'on t'a pas une fois accusé de sorcellerie? Tu as dit oui, n'est-ce pas? Oui. Et je t'ai demandé, est-ce que j'étais là? Tu as dit non. Oui. Ou dis, j'ai su ça, je sais très bien. Je sais très bien qu'on prend ton visa pour aller faire la sorcellerie, ça je le sais. Mais comme tu n'es pas sorcier, ça ne m'a pas intéressé. D'accord. Mais j'allais aborder le sujet, mais ça ne m'a pas intéressé. C'est pour ça que je suis revenu sur Marina pour lui dire n'a qu'à arrêter ses histoires, j'étais choqué. Parce que. Non. Attends, moi, quel que soit ce qu'on va me dire, si je ne suis pas sorcier, je ne dis pas que je suis sorcier. Mm-hmm. Tu ne peux pas me contraindre. Mm-hmm. Je reste ma position. Mais ça ne m'a jamais trompé. C'est qui est français qui ne m'a jamais trompé. C'est pour ça que je suis revenu sur toi. Tout à l'heure, ton histoire, c'est une histoire où les gens t'ont accusé de sorcier. Oui. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais oh, que c'est ta maman qui fait ça, qui a fait ça. Et tu as bien fait de ne pas rentrer dans ce jeu. Si tu rentres dans ce jeu, c'est fini, c'est à dire, tu fais ta vie. J'ai parlé parce que, à cause de Marina, qui est en train de rentrer dans un jeu pour dire non, on n'a rien à voir ça. C'est à cause de Marina, je t'entends de parler. C'est pour ça que je suis revenu sur ton histoire. D'accord. Voilà, c'est pour ça que je suis revenu sur ton histoire. Pour lui dire, le problème est tellement simple. Sorcellerie, là, tu as deux choix. Ou tu quittes, Dieu te délivre. Ou tu ne quittes pas, tu endosses la responsabilité. Tu as vu, non, madame Lamine? Oui, je vois. C'est comme ça, les matchs ici, hein.
Non, mais pour moi, ça ne ment pas. Mon détecteur, ça ne ment pas. C'est ça que j'ai demandé à Marina, là. Est-ce que tu sais au moins que ta maman, là, est-ce que moi, elle n'avait pas posé, moi, la première fois qu'on a ouvert la vidéo, j'ai commencé à parler, j'ai dit, et c'était même pas elle, c'était la femme Baoulé. J'ai dit la dame qui a coûté les sorciers. Elle était sortie, on vient d'aller chercher le courant, elle n'a qu'à arrêter ses histoires de courant, les sorciers. Encore, ils l'ont même chassé, même encore, c'est son histoire. Avant qu'elle arrive ici, ils l'ont chassé même du village pour des sorcellerie. Oui. Alors, donc, pour moi, ça ne ment pas. Et je lui ai donné le micro, je lui ai dit, Marina, qu'est-ce que moi tu te sens? J'ai fait exprès. Non, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce que tu veux? Non, elle veut revenir pour dire, elle veut, non, elle était choquée, elle ne se reconnaît pas. C'est ça que je t'ai appelé, maman, l'ami, viens. Toi-même, là, on prend ton visa pour faire sorcellerie. Je l'ai même dit, moi, dis, tu dis, tu ne sais pas. J'ai dit, demande à ta maman, elle dit oui. Je t'ai aussi posé une question pour dire, est-ce qu'on t'a jamais accusé de sorcier? Tu dis oui. Si. N'est-ce pas? Si. Mais est-ce qu'il était là tout ça? Non. Ah non? Vous dites, j'ai vu, je vois des choses, mais comme moi, ça ne m'intéresse pas. Et elle est revenue là-dessus, s'il priait pour vous, je reviendrai là-dessus pour dire, voici. Mais ce n'était pas encore d'actualité. Comme Marina, elle est en train de rentrer, faire des jeux de Micmac. C'est ça que je suis revenu, je t'ai appelé. Vous te contez ton histoire. Vous dites, mais voici elle-même là, qu'elle a là. Mais elle n'est pas sorcière. On la prend pour tous les sorciers. La vieille, qu'est-ce que tu as envie de dire? Mon aïe wa kagba. Il va kagba ne. Mangui goua iya. Pas mal, y'a du grand pas yam. Pose en y'a. Ok. Elle dit, prophète, que effectivement, elle prend mon visage pour aller pratiquer la sorcellerie. Mais pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'une matin, j'ai une fille comme ça, elle est belle, cette sorcellerie, tu as prêt pour aller faire? Elle est bizarre comme ça. Elle dit. Le caboua, hein? Ça, bordoua. Et pas même, moi, il était non, il y a pas là. 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 Elle a combien d'enfants là-bas? Nous sommes 7, 6 filles, un garçon. Qui sont là actuellement là? Non, nous qui sommes là. 5 personnes. 5 filles. Amenez-moi tous les enfants. Venez. Appelle la maison. Elle, un. La vie même, elle a fait des filles. Hein. Toi-même, là, au lieu de bien faire, tu vas te donner. Pas une table bien mangée. C'est ça qui est à Bangou là? Oui. Oui, c'est elle. On va vite finir derrière l'entrée parce que c'est important. Rester longtemps. Bon, elle, je l'ai déjà vu. Le visage de l'autre. Venez. Tu vas te décaler derrière. Où est ta mère du détecteur? Vous deux, venez. Bien. À droite, là, j'ai sa fille. Laquelle? Celle. Oui, c'est sa fille. Où elle n'est pas comme vous? Bon, elle est mariée au village. Non. Elle pas nous descendre. Elle pas claire votre comment. D'accord. On s'est dit c'est le côté village. La vieille celle qui va tout le secret. En tout cas là, la nuit, on ne sait pas. C'est la vieille celle qui maîtrise la chose. Elle a donné son sourire. Pose la question. À part Marina. Ah, Marina Bécone. À Gratane. Nous on est quoi? Moi, je ne sais pas si je suis venu. Elodie, il y a celle qui était venue auparavant qui interprétait. Voilà, la première fois. Là. Elle dit ça à elle. Elle lui a donné les yeux. Et puis, un mal de tête. Donc, elle voit. Elle est comme une clairvoyante. Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris. Toi, tu peux donner clairement à quelqu'un. Elle a donné son sourire, waouh. Boagnon, y'a, eh. Il dit Boagnon, eh. Boagnon. Elle lui a donné la sorcellerie. Mais pourquoi tiens tourné? On est à Bergamon, à Abidjan, ça propose. Non, pas de. Baba moi gbadé. Ah to moi gbadé. Ine yé para bua. Ni mi ni ke lenu du juwa.
Elle ne vient pas. Elle ne vient pas. Qui dit là? Elodie la concernée, elle ne vient pas. Pourquoi? On ne sait pas. Elle est où? Elle est à Abidjan. Oui. Elle a fui. Bon, quand nous sommes partis, on devait revenir. Je l'ai appelé à la veille, il dit non, je n'ai pas l'argent. Quand j'ai parti, on va pouvoir nous délivrer et avoir l'argent où partir. Il dit non, allons-y, c'est pas grave. On va arriver là-bas. Ce que Dieu va décider, on va faire. Le lendemain, je l'appelle, son portable passe pas. Non, j'ai considéré qu'elle ne voulait pas venir. Et c'est la vieille qui a dit, elle ne vient pas. Hein? La vieille m'a dit maintenant après, c'est-à-dire hier, que Elodie l'a appelé pour lui dire, elle ne vient pas. C'est sa collègue. Waouh, bon, c'est vraiment, c'est un Dieu va me délivrer. Ça fait pitié, au fait. Les personnes qui n'ont pas leur papa ont seul le recours, le moment, qui se retrouvent dans toute cette merde-là aujourd'hui. Et les mamans qui doivent les protéger, c'est elles qui mangent. C'est malheureux. Mais Dieu fera grâce. Amen. Amen. Voilà, c'est la grâce de Dieu qui a commencé et elle va se toucher jusqu'au bout. Amen. Mais elle était venue, elle était venue pour toi au juste. Elodie, bon, en quelque sorte, je l'ai forcée à venir. Je lui ai dit, comme c'est une histoire de famille, allons s'il y a quelque chose là-bas, là, on sera délivré. Donc c'est comme ça. Elle ne voulait pas venir. Nous sommes venus avant elle. C'est le lendemain, je lui ai dit, viens. Elle a pris le cas, elle est venue. Non, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as fait aux enfants? Les anormaux, ils sont où tout, mais d'ailleurs, là. Bon, moi, nous, là. Oui, moi, t'es là. Moi, t'as Rachel. Il y a beaucoup de gens. Et bon, moi, t'es. Il y a ça. O come se uno adre o quasi o tra drada o quasi o tra drada o ni o nyeme ni o nyeme bieme erezu erezu c'est pas beaucoup ay mais tu veux parler français erezu e bo ina ina so azia ya ki ke na mona ni na sa banan na yeso ya ke di oui elle dit sa fille, sa grande fille Rachel, que je suis. Elle prend mon visage pour aller pratiquer la sorcellerie. Et de deux, je fais le commerce. Et comme l'argent que je lui donne, pour elle, ce n'est pas beaucoup, donc elle devient, je ne sais pas qui elle s'est passée, aigle ou bien c'est aigle. Elle devient un aigle. Et puis elle va mettre sa main dans mon argent pour se servir. C'est où je mets. C'est un sujet très important, ça. Venez vous deux devant. Maman et la fille. Non, Marina, qui je ne suis pas dans ton titre. Tu dis quoi? Tu sais où elle garde l'argent? Oui, elle dit, c'est où elle garde. Dans la zone, après, il va dans. Il va dans le bout du zoo. Qu'est-ce que tu veux? Elle dit, elle dans mes paroles, voilà. Elle dit, c'est où je mets l'argent? Dans une caisse. Non, c'est là-bas, elle va se servir. Parce qu'à un moment, elle vendait avec moi. Donc, elle sait plus ou moins où je mets mon argent. Et cette fois-ci, sans sorcellerie, tu gagnes ça? Oui, elle dit, elle devient l'aigle pour aller chercher. Moi, ça me dépasse quoi. Ta propre fille, au lieu d'avoir un pouvoir pour lui donner assez d'argent, c'est pour gâter. Hein. C'est là que tu as le pouvoir de ça. Hein? Je suis choqué au fait, Madame Lamy, je suis choqué. D'accord. D'entendre ça d'une mère, ça me choque. Mais c'est comme ça, je suis toujours choqué, je ne comprends toujours pas, mais je pense que tout ce qu'on veut, c'est que Dieu pardonne. Tout Amen. Ce qu'on veut, c'est que Dieu aide cette personne Amen. À changer de vie. Amen. C'est ce plus important, il faut qu'il change de vie. Amen. Et que ça soit du passé,
Amen. Et que la miséricorde de Dieu se manifeste dans leur vie. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut? Maintenant, qu'est-ce que tu as gâté son âge? Ça veut dire son commerce, tu as gâté, n'est-ce pas? On a quand même besoin de moi, quand même fallait de moi, Elle dit oui, elle a gâté mon commerce, mon argent, elle a gâté tout. Ok, c'est tout ce que tu as fait, c'est? Oui, on est pour quoi, mon dieu, pas besoin, Il n'est rassuré pas. Ama valait mère, amène-moi. Bon, il y a. Elle dit c'est les deux là seulement, les deux sujets là. Elle n'a rien fait d'autre. Qu'est-ce qu'elle a fait aussi aux autres filles? Elle est en noir, mais il y a assez pour rien. Mon mère, la Larissa, en quoi il est là? Elle est où? En quoi il est là, la Larissa, là? Nadez, sur lui, valait papé. C'est moi, pas zo. Oh, pas d'année. On y met quoi? On y met quoi? Elle dit sa fille Larissa qui est là, elle aussi, elle cherche vraiment l'argent. C'est-à-dire qu'elle vend, elle fait le commerce, elle gagne l'argent. Mais cet argent-là, ça ne reste pas parce qu'elle a le trouvé dedans. Elle dit qu'elle s'en va chez elle, sa fille ne la prend pas bien. Elle ne lui donne pas l'argent aussi. Donc c'est pour ça qu'elle aussi, elle a gâté son commerce et son argent. Ok. La suivante. Non, hein? Tac. Tu parles avec ton mari, tu lui as expliqué tout? Moi? Non, je ne lui ai pas expliqué encore. Je lui ai dit, ah, on va pour la prière. Quand je vais finir, je vais t'expliquer. Bon, faut les préparer à ça. D'accord? Facile, c'est pas facile. Allez, allons. J'écoute les autres. Allez. On est non. D'accord. Elle dit. Elle dit Bataba. Elle dit Bataba. Elle est à me, moi, tecli, voici tecli, yiri. Le boy est à da, l'eau lise. On tourne en bêta. Ziba, na yizo yiri o, ose na mo, na mo wa. Ebo ne ona kuru yiri ebo titi na yiri tra okuru. Ebo yiri zo no tra okuru. D'accord. Donc okuru na desa ne le abu ga yi okuru tre. Nyini mi ame gori mo enyo ne. Okuru nyini. Iyo. Okuru e pada. Po. Sa fille tekela. Edi la tefete. Elle a prié, elle a badigeonné le visage de sa fille telle qu'elle a. Et c'est pourquoi il n'y a aucun bon garçon qui s'arrête devant elle. C'est tous ceux qui sont en bas là, qu'elle lui donne. Et puis elle a gâté aussi. Elle dit que je suis, elle est mon mari. Voilà, elle est le mari de sa fille telle. C'est ce qu'elle a fait sur elle. Elle dit c'est ça qui est pour sa fille Tech. Elle veut que Tech reste là, c'est sa chose. C'est Achille. Ça va toi? Oui, prophète. Oui, ça va. Tu es chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Tu pries où? Bon, pour l'instant, j'ai arrêté un peu. Sinon, à cause du travail, j'ai arrêté un peu. Faut dire à ta maman, Anaka, elle lui a donné la sorcellerie. C'est là. Elle lui a donné aussi la sorcellerie. C'est pas une question de ça. C'est discrète.
Ta mère lui a donné la sorcellerie. Elle a pollué toute la famille, ta maman. Moi, je pense que ta maman, elle n'a pas cette volonté, hein, de lâcher les choses, tu vois. Je pense que ta maman, elle devait commencer à dire le mal grave qu'on appelle la sorcellerie. Aujourd'hui, tout à l'heure, on va finir. Hein. On va finir ça et puis vous aurez du temps pour rentrer chez vous. C'est très, très important. Comme je disais, c'est un centre de prière. Il n'y a pas de lit confortable. Comme, vous ne pouvez pas être à l'aise comme chez vous. Voilà. Vous laissez trop là, ce n'est pas aussi trop bon. Voilà. Surtout, il faut que tu regardes dans ton foyer. Il faut que d'autres personnes regardent. Parce qu'il faut travailler après ça. Il y a toute une vie. C'est beaucoup très important, mais c'est aussi important de régler ça. Parce que si ça ne se règle pas, ce n'est pas important, vous n'aurez pas de vie. C'est comme vous ne vivez pas. Donc il faut régler ça, c'est vraiment très important. D'accord. Mais encore, ce que je vais vraiment dire tout à l'heure à votre maman, qui peut aussi me mettre au monde, mais selon la spiritualité, ce qui fait qu'aujourd'hui je parle en tant que serviteur de Dieu, sinon, elle peut me mettre au monde, c'est ma mère, elle peut me mettre au monde. Mm-hmm. Mais on n'est pas dans maintenant cette histoire de qui fils et puis mère. On est en train de parler d'un truc où on a le fils qui est serviteur de Dieu peut l'aider dans ce qu'il est en train de faire maintenant. Alors, il faudrait qu'elle comprenne que d'un moment de sa vie, elle a marché avec le diable. Alors, voici ce qu'elle a fait comme dégâts. Et qu'elle doit comprendre aussi que c'est vrai qu'elle vous a mis au monde, mais elle n'est pas votre propriétaire. Le vrai propriétaire de votre vie, c'est Dieu. Parce que c'est lui-même qui décide de vous prendre. C'est lui qui décide. C'est vrai qu'elle est votre mère. Mais pour dire, tout compte fait, ça allait un jour sortir. Tout ça. Ça allait sortir dans le but de pouvoir vous couper. Que vous puissiez être totalement libéré de cette emprise de la sorcellerie. C'est pour ça que Dieu met maintenant ça à nu par la grâce, par sa grâce. Mais en même temps, il faut qu'elle comprenne que c'est une dernière occasion pour elle qu'elle ne doit pas rater. Elle doit en profiter pour se repentir. Se repentir parce que quand on met les enfants au monde, elle est tombée? Oui. Je vais prier pour elle. Pasteur, je vais prier. Je vais détruire toute emprise. Je vais détruire tout pouvoir des ténèbres sur ta vie. Je vais détruire tout ce que le diable a sémé dans ta vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais condamner la puissance des ténèbres en libérant ton âme. Je libère ton mariage. Je libère ta vie. Je libère ta carrière, je libère ta destinée. Je condamne toute emprise satanique et démoniaque sur ta vie. Je proclame la puissance de Jésus-Christ. Je proclame la puissance de Dieu sur ta vie. Je commande le pouvoir de la sorcellerie de libérer ton âme et de libérer ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu reçois une délivrance de la part de notre Dieu. Tu reçois maintenant par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Ta vie, cette vie-là, n'appartient pas au diable. Et je commande à Satan, à l'esprit de la sorcellerie, de libérer ta vie maintenant. Que l'esprit de la sorcellerie libère ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je te déclare ce soir, à cette date, à cette heure précise, libéré de cette emprise dans le nom de Jésus-Christ. Ton âme, ton mariage, ta vie, ta carrière est libérée dans le nom de Jésus. Que la puissante main de Dieu te libère. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. On dit amen. 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 Voilà, reçois ta délivrance. Amen. Va t'asseoir, t'es libéré. C'est fini, t'es libéré. Comme je parlais, tous les sept esprits en action, donc il fallait rentrer dans la vision de l'esprit. C'était vraiment important. Ok. Donc, dis à ta mère que c'est une occasion
à ne pas rater. Tu as des belles filles. Si elle ne peut pas aujourd'hui profiter, jouir d'une vie, mais c'est malheureux, c'est malheureux de voir des enfants en train de se dégrader, se détruire, sachant que tu es la base de leur malheur, c'est dangereux. Mais moi, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas non plus. Mon souhait, c'est que tu abandonnes cette voie. Mon souhait, c'est qu'il faut que le diable quitte définitivement ta vie. Il faut le transmettre ça pour conclure. Vous faites une petite conclusion, un résumé plutôt de tout ce que je viens de dire. D'accord. Elle veut changer, elle veut être libérée parce qu'elle a trop fait de mal. Ah, c'est malheureux. Nous allons prier pour que Dieu se souvienne de vous. Marina, est-ce que tu veux changer? Oui, prophète. Parce que tu es rentré, je te comprends après la honte, tu es rentré là, tu es sorti là, tu es rentré là. Moi, je ne suis pas le genre à vouloir forcément détruire. Moi, je ne suis pas là pour te détruire, je suis là pour t'aider. Mais ce que tu es là, moi, je le dis, je te le dis, ça, je ne vais pas mâcher les mots. Voilà, c'est pour ça que je suis revenu sur la vie de Madame Nani, oui, pour expliquer certaines choses. Voilà, pour expliquer certaines choses, pour dire elle-même, là, voici ce que l'Éternel avait déjà fait de sa vie. Mais tout ce qu'elle n'était pas dedans, moi, je n'ai pas oublié de lui dire qu'elle est dedans. Pour dire, quand je dis que tu es sorcière, c'est bien, c'est clair et net. Voilà, c'est avec beaucoup de précision, c'est clair et net. Voilà, elle a fait beaucoup de dégâts, voici les dégâts. Pour vous dire, quand vous quittez ici, là, pour d'autres personnes, vous avez la possibilité d'aller à l'église, à le confier ou à Dieu. Voilà. Il ne faut pas que ça s'arrête seulement, non, ma maman a parlé. Mais oui, dans la suite, c'est quoi? L'objectif que Dieu lui atteint, c'est que vous puissiez marcher avec Jésus. Vous puissiez avoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, vivre avec lui. Mm-hmm. Afin qu'il puisse être votre protecteur. Et votre maman aussi, elle a besoin de Jésus. Dites à votre maman. Maman, mm-hmm. Prophète, il a besoin de Jésus. Mm-hmm. A besoin de Jésus. Bien même. Yeah. On est Jésus, nous m'aimons. Yeah. Voilà. Amen. Mm-hmm. Amen. Il faut lui dire, elle a répété après moi, Seigneur Jésus. On est Okagba, Agba ou Goya d'Abane, Agbawe. Elle a dit Seigneur Jésus. On est Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus. 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 Je t'accepte. Je t'accepte. Comme mon sauveur. Comme mon sauveur. Personnel. Entre dans mon cœur. Dans mon cœur. Et délivre-moi. Et délivre-moi. De l'esprit de la sorcellerie. De l'esprit de la sorcellerie. Pardonne-moi tous les péchés. Pardonne-moi. Merci de me libérer. Merci de me libérer. Et dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que je prie. Je prie. Amen. Amen. Je peux prier pour toi? Oui, prophète. Tu as quelque chose à dire? Oui, prophète. Ok, je t'écoute.
C'est un jour, j'étais en rêve, et puis je dormais. Et j'ai rêvé que non, ils m'ont donné de la viande. Tellement que j'étais gourmand. Donc j'ai mangé, et ça c'est bloqué dans ma gorge. Donc c'est là, il me suis réveillée en même temps dans mon sommeil. Depuis ce jour-là, ça a commencé. Très bien. Vous savez ce que je voulais entendre? Vous savez ce que je voulais entendre? Ce qu'elle entendait dire. C'est vrai que sa maman l'a macheté, mais la viande de la dame n'a pas pu manger. Et c'est ce qui lui crée des problèmes. Mets-toi devant ici. Ce que tu entends de dire, il faut nous dire ça clairement. Il faut dire ça clairement. C'est-à-dire, dis-nous ça clairement. Hier, avant-hier plutôt, j'ai stoppé. Mais quand la viande, parce que c'est ta maman qui t'a envoyé, dis-nous clairement, parce que tu dis que tu as mangé la viande. Tu as vu, tu as mangé la viande et tu n'as pas pu avaler. Donc, c'est pour cela que quand tu t'es levé, la maladie est venue. Ça vous dit que le problème que tu es en train de vivre, c'est quel problème? Problème que je suis en train de vivre actuellement, c'est le problème de la ceinture là. Des sorcelleries ou des ceintures? Oui, sorcellerie, c'est ça. Au fait. Mais pourquoi c'est ceinture? Ceinture qui te débat pourquoi? C'est ça. Qu'est-ce que ça? C'est de la sorcellerie. Explique-nous, on veut entendre. Explique-nous ce qui se passe. Parce que j'ai dit la prophétie, c'est pendant la nuit là que j'ai rêvé que je mangeais la viande en rêve. Je mangeais la viande. Maintenant, la viande là, c'est resté, c'est collé dans ma gauche. Maintenant, je me suis réveillée et j'ai commencé à tousser, tousser. Maintenant, matin, j'ai rien dit. Je suis resté là. Je suis resté là. Je n'ai rien dit à personne, à quelqu'un. Non, c'est le lendemain. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle dit là? Non. C'est le même comportement des sorciers là qui est en train de se faire. Tu es sorcier ou pas? Oui, prophète, je suis sorcier. Donc, dis-nous ce que tu fais, tu as fait. Elle avait nié sa femme, appuyée, elle avait nié. Oui, elle avait nié. C'est pour ça que ta figure, j'ai vu la figure de... Ça a changé un coup. C'est pas moi qui va jouer. C'est devant vous qui parler. Je la comprends. Mais en même temps, tant que tu ne diras pas la vérité, tu ne t'en sortiras pas. L'âge que tu as là, j'ai encore de l'avenir devant toi. J'ai encore de l'avenir devant toi. Mais tu ne peux pas aller manger la chair de quelqu'un. Bouffer la chair humaine, et puis ça va rester comme ça. Tu comprends? Et puis en plus, tu finis de tuer quelqu'un, tu reconnais tout à l'heure, et puis après tu nies. Tu penses que Dieu va te faire la grâce? Tu n'as rien fait dans cette histoire des sorcelleries. Pourquoi tu es tombé malade? Dis-nous clairement ce que je pense. On va prier pour toi. Marie, et puis vous voulez prier à nous. Agbawe, abiade, mme. Oui, nous allons. Et puis vous voulez. Agbawe, vous voulez. Agbawe, vous voulez. Agbawe, vous voulez. Agbawe. Moi, je vais aller. Et moi, je vais aller. Vigan. Il y a Zoom. Il y a Zoom. Il y a. Il y a. Il y a Masson. Moïra. Moïra. On y a mes nommés. Donc, amé ti oti amé ina mra ni mamba no ba oti amé yo won ba mre ni mo won ba yo so a yi yi ni me so a yi ni me so ya ni oni yo lo ni no yo ba e bude abo bu abo mra o che pa pe a i pe wa ba bu le bu ni ma ko te bo ya mo pa mi e di pe be e bude la go go so no ya go so eh tu as
Tu as demandé, ouais, je lui ai dit en vérité, parce que ce qu'elle a dit, ce qu'elle a nié, c'est la même chose qu'elle dit. Donc moi, je demande maintenant, vrai, vrai. Parce que ce n'est pas ce que tu nous as dit. Non, ouais. Nous, on est confus. Demande-lui, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Elle ne va pas nier ça demain. Demande-lui ça. Elle dit, elle va plus nier. Mais pourquoi tu nies alors? Elle dit c'est la vérité. Mais pourquoi? Donc elle a nié après. Oui, elle a nié après. Non, je suis pas avec vous là-bas. Donc elle a nié après. Oui, elle a nié après. Oui, parce qu'elle a pris le micro qu'on commençait. Je voyais où elle voulait partir. Je voyais où elle voulait partir. Tout ça. Tu vois, l'âge que tu as là, c'est l'âge où tu as encore de l'avenir devant toi. Tu comprends? Oui, prophète. Donc tu ne fasses pas. Oui, prophète. Mais en même temps, il faut quitter le camp du diable. Oui, prophète. Tu es malheureuse, regarde comment tu es malheureuse. Il faut quitter le camp du diable. Tu ne peux pas être dans le camp du diable et être heureuse. Tu ne peux pas être dans le camp du diable heureuse, ce n'est pas possible. Encore Dieu te dit, voici ça, puis tu nies. Tu as failli nier. Moi, tu ne peux pas nier devant moi. Quand tu as commencé à vouloir parler, j'ai dit, stop. J'ai appelé ta soeur pour lui dire elle-même. Vous voyez ce qui s'est passé hier? Mais je ne lui ai pas dit qu'elle est sorcière. Pour te dire, je te maîtrise. Quand il dit maîtrise, ça dit Dieu te maîtrise. On ne force pas quelqu'un. Mais en même temps, il faut qu'on en finisse avec cette histoire. Ce n'est pas bon. Ça met les gens mal à l'aise dans la famille. Tout le monde est mal à l'aise. Il faut que les gens soient heureux. Chacun doit aller travailler, chacun doit être heureux. C'est fini, il faut qu'on soit heureux. À ton âge, c'est des gens qui vont venir s'occuper de toi. Tu peux faire quelque chose dans la vie. Et encore, tu as un problème de sorcellerie, et puis c'est les gens qui vont venir dépenser sur toi. Tu es sorcier, et regardez où la sorcellerie t'arrive. Tu n'as pas les moyens. Tu es sorcier, mais tu n'as pas les moyens de te défendre. Entends parler tes parents. C'est comme c'est eux qui t'ont envoyé, qui ont payé les. N'est-ce pas? Oui. Ton transport, même pour venir à 10%, il y a ta société. Donc là-bas, il n'y a pas l'argent. Ouais. Vous mangez bien, viande, michui, mangez bien. Mais l'argent, là, pourquoi vous n'avez pas ça? Si c'est des gens qui vont venir dépenser ça. Mani, il ne faut pas vouloir m'essayer tes yeux de société. Il y a un moment que. Son cœur de sorcellerie, elle n'a qu'à aller doucement. On est un égoïste, Kadane. Amélie, Anna. Ah, vous parlez. Pas tu ne me moyens pas. Oh, il a je t'ai vu. Je t'ai vu. Ton cœur de sorcellerie, là, tu ne me moyens pas. Voilà. Les gens qui mangent, là, on n'est pas la même chose. T'as compris, mamie? Voilà. Si mon homme, je viens dire, mange-moi, tu n'as pas mangé. Si tu me regardes comme rentrer, tu ne peux pas me prendre. Ma vie est cachée en Jésus. Moi, je veux te sauver. Toi, tu veux me tuer en viande. Pour les sacrés des viandes, pour me voir comme sauveur. Quelqu'un qui veut te sauver. Pour ne pas voir viande, le monsieur Landais, il est bien clair, il veut le manger. Elle fait son dernier repas. Voilà, après, je suis là, empoisonné. Où est vos cœurs là? C'est bizarre. Vous voulez manger partout. Oh, c'est pas toutes les viandes qu'on mange. Bon, bref. Tu viens te délivrer. Oui, prophète, je viens te délivrer. Il y a Néné, quand tu as parlé, après, je t'ai dit non. Ton histoire, c'est quoi? Ton histoire et la sorcellerie, c'est quoi? Là, non, non, aïe, bon, oui, ça, et non, non, là.
C'est ma maman qui m'a donné, elle dit c'est sa maman qui lui a donné la sorcellerie en songe. Elle lui a donné de la viande en songe. Et c'est comme ça a commencé. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, attends, laisse-la parler. Oui. Bah oui, bien oui. Ah, non, mission maintenant. Tu as tiré, mais il n'a pas gagné mal. Bah, il n'a rien mais soyez. Mission, vous amène à nous. Bon, amène quand vous plaît. Elle dit dans leur camp là-bas. Elle sa mission. Sa maman l'envoie à tout moment pour aller tuer les gens, pour envoyer leur viande. C'est ce qu'elle fait. Elle dit c'est ce qu'elle fait là-bas. Elle, c'est son rôle qu'elle joue là qu'elle a. Sa maman l'envoie pour aller tuer. Elle dit c'est ce qu'elle fait là-bas, donc. C'est ça. C'est que c'est un sang. Oui, mais. Si tu fais là ce que tu as tué, tu as fait des choses. Tu penses que quelque chose t'arrive. Non, mais qu'on veut la suite de ton histoire. Et non, c'est un dame qui t'a rendu aujourd'hui malade. Amrani m'a pas, c'est un. Les non-nés. Et oui, c'est un dame qui est là. Et on m'a pris un message. Mais il y a un débat pour vous appeler. Oui, il a mené. Il y a une maison. D'accord, elle dit que la mission que sa maman lui a assignée, c'est d'aller tuer les gens. Maintenant, elle allait tuer la dame qui vendait le poisson. Et qu'elle est venue avec la partie. Elle est venue avec le cœur et la tête et elle n'a pas remis à sa maman. Donc sa maman s'est fâchée, elle est sortie et elle allait prendre une machette dans la main de deux jeunes. Et c'est comme ça qu'elle a pris pour la macheter. Et quand elle a mangé la viande, c'est plus. Et quand elle a mangé, c'est resté dans sa gorge. Donc c'est quand on l'a pris, comme elle était malade, on l'a pris pour venir avec elle ici, pour qu'elle soit délivrée de la maladie. C'est l'huile qu'on a pris pour la laver. Le premier jour, l'huile qu'on a pris pour la laver. C'est ce qui a fait que sa gorge a été libérée. Elle a pu boire de l'eau et elle a pu manger. Nous, on l'a consacré. Ah, donc elle ne pouvait pas. Elle n'arrivait pas à boire, elle n'arrivait pas à manger. Quand je suis à manger, les plumes ne descendent pas que l'eau la descend. Les plumes. Quand elle veut boire, l'eau ne descend pas. Elle ne donc mange pas. Donc c'est une tension qu'on a mis sur toi là. Voilà. C'est ce qui a fait qu'elle arrivait maintenant à manger, à boire. Donc maintenant tu manges, c'est ça? Oui. Elle mange bien. Elle mange. Si tu bois bien. Oui, prophète. Très bien. Maintenant, la seule chose qui te restait, c'était de dire la vérité. Tu vas libérer. Moi, hein. Moi, c'est vrai, hein. Avant, vous en parlez. Mais comment est-ce que tu as prié? Je prie que la puissante mère de ton esprit se manifeste dans sa vie. Je vais condamner toute présence des ténèbres dans la vie de Marida. Depuis Divo, tu es Seigneur et de tout puissant. Depuis Divo. J'invoque ta puissance sur cette jeune dame, cette jeune fille. Je prie que le pouvoir de la sorcellerie, que cette viande humaine, cette chair humaine, dans son corps, là où se trouve cette présence, dans son corps, dans sa poitrine, je brise au nom de Jésus-Christ. Je brise au nom de Jésus. Je brise le pouvoir des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissante main de Dieu se manifeste dans sa vie. Au nom de Jésus. Mettez la main sur sa poitrine et tout ça, parce que c'est un peu, voilà, très bien. La puissante main de Jésus-Christ de Nazareth se manifeste au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas me vomir tout ce qui est dans ton ventre, tout ce que tu as mangé en sorcellerie,
tu m'as vomi. Tu libères, oui, tu vomis. Tu vomis maintenant. Tu vomis maintenant. Tu vomis maintenant. Allez, tu vomis, allez. Vomis, allez. Je libère ton ventre, je libère ton ventre, je libère ton ventre. Tu vas me vomir. Je te libère au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Vomis. Vomis. Oui, au nom de Jésus, la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans ton ventre. Cette chair humaine qui travaille. Oui, tu vas vomir. Tu vas vomir. Tu vas me vomir ça. Au nom de Jésus. Allez, vomis ça au nom de Jésus. Tu vas me vomir ça au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu. 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 Je libère ton ventre. Je libère ton ventre. Aujourd'hui même, la puissance de Jésus. Je brise ce pouvoir de la présence de l'esprit de la sorcellerie. Je brise ce pouvoir au nom de Jésus de Nazareth. Tu me vomis ça maintenant. Allez, tu me vomis ça maintenant. Oui, tu me vomis ça maintenant. Tu me vomis ça maintenant. Oui, tu me vomis ça maintenant. 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 Tu vas me vomir, tu vomis ça au nom de Jésus. Dans l'estomac, dans ton estomac, dans ta gorge. Là où est la présence de la chair humaine. Voilà, tu vomis. Et ton corps est libéré maintenant. Cette viande que tu as vomie en sorcellerie. Cette viande que tu as vomi, tu as mangé en sorcellerie. Dieu te libère. Tu vomis. Allez, tu vomis. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Tu vas me libérer son ventre, tu vas me libérer son ventre. Au nom de Jésus, tu me libères son ventre. Allez, libère-la. Ton ventre. Allez, libère son ventre. 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 Libère. Maintenant même. Tout ce qui est présent de la chair humaine dans ton estomac, sort. Tout ce qui est la présence de la chair humaine dans ton ventre, sort de ton corps au nom de Jésus. Sort de ton corps au nom de Jésus. Sort de ton corps au nom de Jésus. Libère-la. Allez, libère. Libère. Au nom de Jésus. Libère. Libère-la. Libère. Oui, libère-la. Libère-la. La puissance de Dieu. 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 Allez, sors de son ventre. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Je libère son corps. Je libère son corps. Je libère son ventre. Je libère au nom de Jésus sa poitrine, son oesophage, au nom de Jésus, la puissance de Dieu. Je la libère maintenant même, au nom de Jésus. Je libère sa vie, je libère sa vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci pour le miracle, merci pour le miracle. Je maudis dans son sang toute présence du VIH, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et encore, si elle ne venait pas ici, vous allez détecter le VIH dans son sang. Mais je proclame la grâce de Dieu. Je proclame la puissance de Dieu. Je proclame la puissance de cette viande, chère humaine, que tu as mangée. La puissance de Dieu. Seigneur, merci pour le pardon. Merci pour ta miséricorde sur sa vie. Merci pour la restauration de sa vie. Je proclame ce soir la délivrance de Marie. Je proclame ta main sur sa vie. Je proclame ta grâce, si ça vit. La puissante main de ton esprit, si ça vit.
la puissante main de ton esprit, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la délivrance que tu accordes à Marina. Merci pour la délivrance que tu accordes à Marina. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui même, je la déclare libérée. Aujourd'hui, je la déclare délivrée par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Lève-toi. Comment tu te sens? Je me sens bien. Je me sens bien maintenant, prophète. Tu te sens bien maintenant. Avant de venir au centre, tu disais que tu ne mangeais pas. Oui, prophète. Tu ne buvais pas. Oui, prophète. Ok, c'est maintenant qu'elle a commencé à boire, c'est ça? Oui, c'est le quand ils ont fini de la laver avec l'huile, c'est là qu'elle a commencé à se retrouver, elle a commencé à boire et manger. Okay. Jusqu'à aujourd'hui, elle mange, elle boit normalement. Elle mange, elle boit. Maintenant, c'est fini, là. Oui, prophète. Ça veut dire que, voilà, ça veut dire que si elle ne venait pas, je vous dis, hein, j'avais le VIH, parce que là, elle allait mourir même du sida, ils allaient détecter ça, mais c'était un problème. Ils ont détecté, ça a été détecté. Hein? Ça a été détecté. Mais le sida, c'est ça? Oui, 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 le sida. Elle a le sida, c'est ça? Oui, c'est ce qui a été dit, mais elle a dit non. Elle n'a pas ça. Mais tu as vu? Parce que j'ai vu ça tout à l'heure. Tu as vu, j'ai vu ça tout à l'heure pendant que le commissaire, je voyais le sida. Est-ce que tu m'as parlé du sida tout à l'heure? Non, prophète. C'est mon don. Voilà l'ami, tu as vu comment j'ai le don de Dieu. Oui. Voilà. Pendant qu'elle vivait, elle vomissait, je voyais le sida, je voyais son sang infecté. Pendant qu'elle vomissait, je voyais son sang infecté. Et je voyais. Le sida avait envahi tout son corps. Voilà. Et c'est de ça qu'elle devait mourir. D'accord. Voilà, c'est de ça qu'elle devait mourir. Et c'est cela que pendant qu'elle vomissait, j'ai prié en même temps pour le sida. D'accord. Voilà. Vous ne m'avez pas parlé de ça? Non. Mais voilà. Et donc voici le don de Dieu. J'ai révélé. Dieu m'a révélé pendant qu'il parlait. Il dit, prie pour le sida parce qu'elle a ça. Elle a son sang a infecté. D'accord. Son sang a le sida. C'est ça, il dit, ils vont détecter heureusement. Voilà, heureusement que déjà vous savez des choses. Souvent les gens ils pensent que nous on fait des montages, Pendant qu'on prie, il y a des visions que nous voyons, c'est des visions. Dieu nous montre des choses. Voilà, c'est ça le don du prophète. Dieu nous montre des choses. Et même quand il parlait, elle ne m'a pas dit qu'elle avait qu'il m'avait détecté. Vous êtes déjà parti à l'hôpital, ils ont vu ça? Oui, c'est sa soeur qui l'a envoyé là-bas. Tech. Voilà, voilà, moi je n'avais pas parlé de ça. Non. Et quand il vomissait tout à l'heure, et que Dieu m'a dit, non seulement ça, elle entend, il y a un problème de tout, mais il y a un problème de sang infecté et il y a le VIH. C'est ça que pendant que je priais, vous avez entendu dans ma prière que je dis, je maudis la présence du sida. Oui. Et puis j'ai dit, elle va mourir de ça et vous allez apprendre que, oh, vous avez déjà fait le test. Oui. Parce que pendant, nous sommes des êtres humains, on ne maîtrise pas les choses d'esprit. Et Dieu nous communique sa pensée pendant que nous prions. C'est ça qui fait nous, c'est ça que nous sommes limités vis-à-vis de certaines choses. Pendant que je priais, Dieu me dit, voici, dans les détails de ce qui se passe dans son corps. D'accord. Alors, je te confirme que tout à l'heure, Dieu vient de te libérer du sida. Amen. C'est le don que j'ai, la grâce de Dieu, c'est le don. C'est Dieu qui me fait la grâce. Parce que si je priais seulement pour la viande, ça ne sauverait rien, mais ton sang est déjà infecté. D'accord? Amen. Amen. C'est fini. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il faut plus manger bien déjà. Ce n'est pas tous les gens qui mangent. Oui, prophète. C'est ça le don. C'est ça, on dit quelqu'un a le don de Dieu. Voilà, je ne peux pas ça pour me vanter, mais. J'essaie d'écouter la voix de Dieu et quand Dieu me parle, je sais que c'est Dieu qui est en train de parler. Ou lui dit elle-même, Marina, tu vois comment les choses se sont en train de se dérouler. Voilà. Ou dit rien n'est caché devant Dieu. Rien ne peut se cacher devant Dieu. Tu m'as pas parlé de ça, mais je l'ai su tout à l'heure. Pendant que tu vomissais, je voyais tout ton sang infecté du sida. Pendant que tu vomissais, je voyais tout ton sang. Le sang est infecté. Et Dieu me disait, prie pour ça. Parce qu'elle va mourir de ça. C'est pour ça que j'ai prié pour ça.
Voilà. Et quand Dieu révèle les choses, c'est pour libérer. Ok, soyez bénis. La vie est bien. Amen. Tu veux délivrer? Aïwa, la voix bien. Baba. Elle dit oui. Comment vous dites délivrer dans votre langue? Ok, Gipé. Là, tu es guéri. Amen. Et non aussi. Non, du porte. C'est ça votre passé, Serge? Oui, c'est oui. Ça. Tu vois, il ne délivre pas mal. En porte. Serge, même a fait de parler bêté là, tu me fais parler bêté. Je suis resté un peu longtemps, c'est à s'ouvrir là-bas chez moi. Ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Elle veut délivrer la vieille. Aïwa, Akadjipé. Elle dit oui. Elle veut être délivrée. Elle dit elle veut que Dieu enlève le bagage de sorcellerie sur sa tête. Tes enfants et nous tous, nous t'aimons. Dis à ta maman qu'on l'aime. Prophète, ne. Voyez bien. Amen. Malgré tout ce que tu as dit. Oui, tout agbada, Amen. Nous t'aimons. Aïe, la seule chose, faut quitter le diable. Je dis pas ce que sinon tu as fait beaucoup de choses dans le village de ton mari, ton mari de femme. Tu as fait beaucoup de choses. Tu as fait des conneries là-bas. Tu as fait beaucoup de choses. Je ne pose pas. Mais c'est la seule chose que j'aimerais que tu dises. Quelle est la vilaine chose que tu as fait là? On est à la bourgogne, nous sur le nom. À ma qualité de sort. Elle dit, elle a tué son mari. Et c'est ce qui lui fait très mal. Elle ne savait pas que ça allait se passer comme ça. Non. Elle a tué son mari, mais elle a fait quelque chose. J'aimerais qu'elle dise ça. On est... Que je la libère. Aka nanon. Papa, on est pas bien. Mais Aka Boudou Leno était né à Baoué. On m'a dit oui, il dit mon amour est mon secret. Patrice. Elle a tué un de mes cousins, Patrice. Hein? Un de mes cousins qui s'appelait Patrice, qu'elle a tué. Qu'est-ce qu'elle a fait du village? Elle dit ça, je l'ai dit. Parce que c'est le secret qu'elle a. D'accord. Si elle a dit ça, je l'ai dit. D'accord. Gourabre Toutoubo est tout maintenant. Mon anon, à Bawine. Et ta pierre, on a quelques questions pour la poser. On va en prier. Et quatre. Qu'elle avait un canari qu'elle a envoyé dans le village là-bas, et c'est par ce canari qu'elle passait pour tuer les gens du village. Mais elle a jeté. Tu as vu que tu ne dis pas la vérité?
Elle dit, c'est pas ce qu'elle a fait. Dieu t'aime. La goye va. Je veux t'aider. Voyez pas quand il y a un père. Est-ce que tu parles, je suis en train de voir, tu parles, je veux t'aider. Voyez pas quand il y a un père. Voyez pas quand il y a un père. Oui, papa. Le canari en question. Tu as reconnu une partie de une vérité, tu ne l'as pas jetée. On est Dakar maintenant. On est évité. Mais Dakar a yégi et Dakar me bat. Mais on est évité. Mais c'est le village que tu as mis dans le canari et tu chies tous. Tu maudis toujours le village. Tu chies, c'est ça. On est éni d'amia d'année. Et nous prêts à soi, gloire, oué tout. A n'y en a wako. Mouye, ni d'an nous prêts. Oui, c'est ce qu'elle a fait. Alors, donc, elle n'a pas jeté le canari. Non, elle ne connaît pas. Elle est comme moto. Elle est comme moto. T'as ça? Non, 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 non. Elle dit qu'elle est restée au village dans la chambre de son mari. Oui. Elle a ça, c'est pas resté dans la voiture. Elle a ça. C'est pas resté là-bas. Elle a pris ça, elle a ça avec elle. Là où elle vit, elle a ça là-bas. Elle a fermé tout le village, elle a mis. Et puis chaque jour, elle chie pour fermer le village. On est à faire de mon gros à ni dans nos prénoms. Et nous autres, à Yueka, papa, fouille d'Adi, la Dalane, et Memba. Donc, à Kabaka, sous le prénom. Ah, non, non. Et ni dans nos prénoms. Et mes amis, 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 et touche ta tête comme ça. La puissance de Dieu, cette puissance suprême du Saint-Esprit, touche-la. Touche-la. Le feu suprême, le feu consume les œufs de la sorcellerie dans son corps. Le feu du Saint-Esprit détruit son pouvoir. Depuis Divo, la puissance du Saint-Esprit détruit tout pouvoir de sorcellerie dans ton âme. Maintenant même, dans ton âme, la puissance de Dieu détruit cette présence de la sorcellerie. Je veux détruire ce pouvoir des ténèbres en toi. Je veux détruire le pouvoir des ténèbres en toi. Je proclame la puissance de Dieu. Je chasse cet esprit des panthères en toi, l'esprit de la sorcellerie, le feu consume tes œuvres, le feu, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit consume. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, Je détruis ton pouvoir. Et je chasse l'esprit de la sorcellerie de ton âme, de ton corps. Je chasse l'esprit de la sorcellerie. Je détruis ce pouvoir de la sorcellerie de ta vie. Je détruis ce pouvoir de la sorcellerie de ta vie. Je détruis le pouvoir de la sorcellerie. Allez!
qui cherche le pouvoir, c'est ça la force de ton corps, de ton âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci parce que tu es Dieu. 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 Merci, merci Jésus pour la délivrance que tu accordes à son âme. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Merci au nom de Jésus. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Aïe, l'Esprit de Dieu te libère. L'Esprit de Dieu te libère. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu libère ton âme. La puissance du Saint-Esprit te libère maintenant même. Le Saint-Esprit te libère maintenant. La puissance de Jésus te libère maintenant. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois. Reçois. Je chasse l'esprit de la sorcellerie. Amen. Amen. Elle est libérée, ça finit ça. Amen. Amen. Demande à ta maman qu'est-ce qu'elle a senti, qu'est-ce qui s'est passé, s'est produit. Elle avait mal avant au niveau de son front et sa tête lui faisait très mal. Mais tout à l'heure là, elle a eu un vertige. Et puis, c'est comme si quelque chose est descendu dans sa gorge, c'est ce qu'elle a voulu. Oui, c'est l'esprit de la sorcellerie. Comme elle avait des choses sur la dernière fois, c'est ce qu'elle prend pour flécher les gens. C'est fini, l'esprit est parti. On est comme ça, c'est comme ça.